petit président Joe Biden, non, Hunter Biden. En tout cas, et avocat commissaire gouvernement, qui est censé représenter la société, eh bien, il est opposé, il finit parler lui-même, il ferme parler après, il était tout simplement, et avocat défenseur qui est pour parler, qui est pour parler sur dossier-ci-là, etc., pour venir connaître si est-ce que monsieur vraiment était en possession, il était possédé des armes illégales, etc. Donc, voilà, c'est ça qui est là. Et puis, dossier immigration, bon, mes amis, dès que le président Joe Biden prend et m'a dit 4 juin pour limiter la quantité d'immigrants qui viennent demander asile aux États-Unis, si aucun beau, parce que viennent demander asile, il y a aucun beau rentrer illégalement, viennent demander asile frontière, ou pas qualifié pour jeune asile là. Exception, quelle exception sont approuvées et aux raisons valables pour y accorder. Mais en principe, les gens qui ont été sur frontière, qui cherchent à traverser frontière illégalement, eh bien, décret garde frontière le moyen pour exécuter, pour faire analyser le dossier rapide de Porto. Retourner au Mexique ou bien de Porto, tout simplement. Donc, c'est ça le dossier à bail. Décret ça, c'est ça que les bails. Ils ont décret d'abord, et républicains, ok, bails. Quand c'était mon cap traversé frontière, pas bonnet, pas paquet, chaque jour, eh ben, dossier ça, les bails et républicains, outils assez, et pour critiquer l'administration Biden, ils ont dit qu'ils pas font rien pour combattre, ou bien encore combattre l'immigration illégale. Donc, président Biden lui-même lui dit que c'est la raison qui fait le prendre décision, c'est quantité, c'est taux arrestation que l'agent a donné au faire, qui fait que le prendre décret, que pourquoi que les républicains n'ont pas de travailler avec elle. Et pour prendre des mesures pour limiter ça, et bien lui-même lui fait cavaler seul. Donc, les barres qu'on y a là. Donc, mesure ça, lui entend en application depuis mardi soir, et bien, ça va empêcher, non? Ça va empêcher que les immigrants continuent à venir sur la frontière, continuent à venir illégalement. Quand ils traversent les frontières, puis ils rentrent tête, yo, bah, agent, et frontalier. Donc, de vous traverser illégalement, pas de gon, ou pas sortir non pas d'entrée, qui te permettre, qui te pour faire un processus, ou bien quoi, analyser le dossier, qui te rentrer, eh bien, ou illégal, eh bien, laisse ça au sujet à déportation, et autorité garde ses outils dans mes connaissances. Alors, frontières capables de fermer, d'après décret, les chiffres immigrants qui viennent porter tête, ou viennent, les chiffres arrivent à 2500. Et frontières fermées pour 14 jours, ou bien jusqu'à ce que chiffre-là les descendent à moins que 1500. Donc, pour aller monter descendre, avec des cas permettent de monter descendre sous fermeture à l'ouverture frontière, les gagnants et les situations présentées. Mais, des cas, il peut affecter le monde, par exemple, qui fait application CBP1, qui vient demander, qui prend rendez-vous et qui demande asile. Il peut affecter les mineurs qui vivent sous frontière sans parents, il peut affecter le monde qui est hygiène médicale, par exemple, une femme enceinte qui peut aller accoucher, etc., qui est entranchée, etc., ou bien encore, il y a un monde qui est victime, par exemple, de ça, le trafic humain. Donc, dès que ça pas concerné, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas affecté, il n'y a pas d'impact sur eux-mêmes. Mais, il y a un peu d'inquiétude, tout, par exemple, Amnesty International exprime inquiétude pour que dès que ça n'y a pas empêché accès à monde qui vraiment a besoin, ou bien monde qui a couru pour persécution politique et crime, etc. Et bien, monde qui a vraiment besoin, et bien, des cas capables de pas permettre que les jeunes accès à système asile américain. Et américains, pratiquement, ils sont champions dans l'affaire pour bailler mon protection, alors que des cas, ça, c'est peut-être limité. Donc, c'est ça qui vient là qu'on y a. Donc, mon y a venu. Et je dis à Marguerite, on parle de un groupe monde qui est immigration et pas qu'un bébé qui te rend tête, yo. Dans une San Diego, parce que San Diego actuellement, c'est au point chaud, au point côté grand pile d'activité. San Diego, c'est lui qui est en face. Tijuana. Donc, c'est lui-même qui est en Californie, mais en face Tijuana. Donc, porte San Isidro. C'est pas d'entrer ça. Et, mais il n'est pas empêché que les immigrants utilisent pour zone ça en pile. Il y a un mur là, mais on monte sur le mur là, il est en bas. Et donc, les immigrants utilisent en pile pour rentrer aux États-Unis illégalement. Ils utilisent en pile. Donc, c'est une pile activité. Donc, on a bloqué 9 ports d'entrée. Donc, les quantités de ports d'entrée pour journée, il y a 2500 monde qui ont qu'un bébé. Mais bon, il faut tirer le fermé pour 14 jours. C'est une grosse question ça. Et puis, pour moi qui pose des questions, mes amis, mon TPS, il va le finir là, en 3 août.
donc 4 août c'est Vadelia, eh bien bon, n'attend que l'administration et prend décision. Est-ce que la pour renouveler TPS? Est-ce que la pour reconsidérer encore Haïti et pour un nouveau TPS, un nouveau TPS qui va permettre que moun qui rentrait qui était rentré aux États-Unis après l'an mort Jovenel Moïse et qui pas bénéficier actuel TPS qui était là, eh bien moun sa yo, est-ce que va le considérer moun sa, est-ce que ça va y a reconsidérer Haïti encore pour bail TPS, non seulement renouvellement mais reconsidérer Haïti encore pour programme TPS là. Donc si au fait, eh bien tout monde qui vient après dernier et décision pour te bail TPS pour monde qui est venu à peu avant ou peu après la mort Jovenel Moïse là, eh bien moun sa yo qui cap garder là très certainement ben il va faire partie nouveau TPS cap bien. Fontan même pas dit que à Bali, on dit Fontan. Tant si c'est ça a fait. Et mais tout là dans tout, il y a l'autre qui te pose question et moun Biden yo. Bon, moun qui vini dans Biden yo, nous connaît moun Biden yo gon visa pour 2 ans qui cap normalement programme ça ta de fini éventuellement en janvier 2025. Si pas rien qui fait, si ou même ou par étant régularisé statut pour entrer dans l'autre programme et pour faire l'autre bagaille, t'as qu'ou marié, ou bah, quelqu'un qui permet que ou changer statut, eh bien, si t'as un programme, t'as va renouveler ou bien reconsidérer Haïti dans le programme TPS là, et d'après ça, un expert dit sur l'immigration, il dit oui, et moun ki la yo, ou capable rentrer dans le programme Biden, ou capable rentrer dans le programme TPS là. Donc entre toi après deux programmes après Biden et puis après TPS. Donc comme TPS ça il y a tendance à la plus longue laissée pour 18 mois d'ordinaire et bon capable entrer là-dedans et puis bon, voilà. Mais en attendant que l'autorité prenne décision parce que il y a une négociation qui a fait militaire qui a défendu les migrants yo continue à travailler avec l'administration pour essayer d'être capable ou faire une considération pour Haïtien nous connaître à cause de situation pays d'Haïti a qui malouk. Eh bien, moun ki dehors yo pa ta men retourner dans situation ça qui là. Et puis gen activité aéroport international et Port-au-Prince a recommencé. Avion presque pratiquement tout vol qui était annulé ou bien avion pas ta aller encore peut-être pour raison sécurité. Eh bien avion compagnie censé dire exprimer satisfaction avec mesure que autorité au prend. Eh bien vol yo pratiquement retourné. Mais ticket yo pas vraiment bon marché. Et gen tout et dossier nouveau gouvernement, eh bien, bon, premier ministre Angela Kembe pour lui-même, 5 ministères, et puis, alors, son problème, il est là parce que, et c'est formation nouveau gouvernement. Alors, il y a un cap dit oui, mais il était remettre premier ministre en ampliation, un document qui dit que lui nommé, qui a un décret, qui dit que lui nommé comme premier ministre. Mais ampliation, ça veut dire tout simplement, c'est droit le bali pour le droit pour le former gouvernement, pour commencer à choisir ministre. Ensuite, pour l'installation, parce que l'installation semble que le PAC a fait sans que le premier ministre n'a pas gagné membre gouvernement, là. C'est d'accord, l'aile parle devant le Parlement. L'aile est au Parlement, et bien, le premier ministre, l'aile parle devant le Parlement, l'aile parle présenter politique générale, lui. Donc, là, il y a une ampliation qui fait, donc, tout le monde qui fait, et puis, l'aile parle pas présenter politique générale, lui. Eh bien, lui, doit accompagner avec tout ministre qui va faire partie du gouvernement. Et si le Parlement a approuvé, et politique générale là, et là ça, donc tout monsieur Vinchef qu'on a, ben, pour justement marcher, installer chaque monde dans le ministère par eux, dans le ministère qui concerne. Mais il t'a semblé que le premier ministre, il réduit la quantité ministérielle à de 18, il mettait à 13. Et puis, t'as assemblé tout pour aller gagner 3 ministres sans portefeuille, donc, mon qui peut être un ministre sans portefeuille, mais, et ils ont fusionné quelques ministères, t'as coup, gain ministère qui fusionnait, il y en a l'autre, t'as coup, t'as savé que le ministère des Affaires étrangères, t'as vu une fusionner avec le ministère haïtien qui a vu à l'étranger, t'as vu par exemple, ministère commerce qui t'a fusionné avec le ministère du tourisme, donc, gagner, et mais ministère financier était ministère des finances, ministère intérieur était pour compte les ministère culture adjoint, en fait ministère culture avec communication ensemble, et bien, ministère culture adjoint éducation nationale, mais ministère des sports était pour compte les, et puis intérieur était pour compte les, ministère de la défense était pour compte les, et quoi ministère conditions féminines
rete pou kote. Mais ça c'est rete pour nous seulement et confirmer ça seulement les officiellement autorité en somme nouvelle cap circuler yo bay mais qui en situation. Et puis bon, Haïti toujours sous la menace de tempête tropicale, il va faire la pluie cap tomber. Autorité te promet de faire une opération nettoyage capital là, bon puis monde babier, la pluie qui tombe en bien. La boue sale, fatra, tout ba ça. Mais en tout cas, pour mission, il y a un peu sous tête li, et il reconnaît que ce n'est pas facile, mais il y a une mission. Et la mission finale, là, c'est l'organisation des élections, et des élections pour gagner les nouveaux, en fait, sans d'ailleurs les cadres, ou encore nouveaux institutions démocratiques en place, tant qu'au Parlement qui est en place, et puis avec la présidence. Donc la présidence, très certainement, d'après ça qui était dit dans l'accord 3 avril 2024, là, et bien tout le ministère est. T'as deux grands nouveaux présidents qui peuvent être seulement 7 février, qui c'est date butoir, là, 7 février 2026. Et voilà. Et ben, je dis assez week-end, mes amis. Et ça me t'a dit, non, là. Oh! Moi, t'es en interview, nous t'es en partie dans l'interview que nous t'es fait avec Gerline Joseph, qui c'est responsable Haitian Group Alliance, qui est basé en San Diego, Californie, et bien, t'es fait interview avec, après décret présidentiel, président Biden, que groupe Sayo, tout militant, et bien, même mieux dit que, pareil, pour traîner l'administration Biden dans le tribunal, s'il pas entré décret. Et ça veut dire, pas le fait, que j'ai été fait administration, et Donald Trump, là, elle t'es pas un décret qui était, et interdit musulmans, on sait des groupes religieux, on sait des mondes, on sait des pays qui rentrent aux États-Unis. Eh bien, il dit, on va faire même bail là, même gens, s'il pas rentrer des cas. Donc, interview ça, on n'a pas capable de tendre au complet. Au complet, quand on te demande des frais d'eau pour te mettre pour nous sur plateforme Facebook là, au moins que nous capables d'accéder là-dedans, nous va voir. Les gens, il dit qu'il y a des questions que nous t'a demandé et nous demandons que me mandel. Donc nous va gagner réponse, nous va gagner plus de détails sur décret 4 juin et nous va gagner détails tout sur pour effort qu'a fait pour programme TPS. Voilà et me pense que il est pour nous pour aller assez jeudi à Jacques Lacaille dans l'adaptateur à domicile. Donc gentil par là tout, donc il était seulement Jean-Marc Verbel qui dans cala Fred dans cala tout, mais Fred pas prêté, non Fred pour aller dans pays les que nous brancher dans moment ça me trouve dans Maryland. Et son zone qui est le route 1, route qui passait derrière Domna là. Et nous allons voir l'actualité. Ensemble, pas l'actualité, mais au fond, nous allons dire nous, ça que Jean-Robert va voir avec nous. Donc, gros nouvelle là depuis et ce maintenant, c'est 80e anniversaire, ça où il est dit de Jougia. C'était le 6 juin 1944 que tu as un débarquement ça qui était fait dans Normandie. Et gagner un pile pays qui lié avec elle, très naturellement la France, très naturellement les États-Unis, la Grande-Bretagne et Canada. Et gen moun k'ap fait analyse yo parler de absence de Vladimir Poutine qui pas là et présence yon lot qui remarquable, c'est présence et président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est occasion tout en soit dit en passant en marge de ces célébrations pour le président américain Joe Biden te rencontrer avec Volodymyr Zelensky parce que gon enveloppe d'assistance, c'est pas enveloppe l'argent non, mais c'est une assistance que bon, il mandé lui excuser et président Joe Biden excuser et Volodymyr Zelensky pour état qui était dans assistance là et nous connaît que semaine qui se passe là États-Unis te bail feu vert pour des armes que l'Ukraine est capable d'utiliser pour l'attaquer la Russie sous territoire, mais avec une limite pour ne pas dépasser Kharkiv. Ça, c'est un autre cause, c'est un autre dossier encore qui m'a dit un pile débat, mais débat nous quitter pour monsieur spécialiste. Donc, 80e anniversaire d'idée, jour J, en France, débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Donc, tu as un paquet de cérémonies qui étaient faites, surtout hier, mais gros cause, c'est dans Omaha Beach que tu as fait. Avec plus de 20 chefs d'État, 200 vétérans et l'armée. Donc, c'était et avec son cérémonie qui était beaucoup de solennité là-dedans, beaucoup de grâce et grand pile. Gros chef qui prend la parole, gros leader mondial qui te prend et la parole. Et président Joe Biden lui-même, il prend la parole dans plusieurs occasions. Pas seulement hier, mais il prend la parole. Je dis, il prend la parole encore. Et dans la semaine, il prend la parole. Donc, il prend la parole plusieurs fois. Mais
il était profité de l'occasion tout pour lui faire des points électoraux pour dire les Américains yo compte pour qui est-ce que n'a voté parce que lui même pour lui rival li, en parlant de Donald Trump mettait démocratie en danger et c'est en façon pour dire pour yo et voter pour yo donc voter pour lui donc ça veut dire que tout ça qu'on y a en politicien fait que c'est Donald Trump ancien président américain que c'est le président actuel n'a parlé de et Joe Biden yo tout gagné un aspect politique et électoral là-dedans. Donc ça veut dire gros passage que Joe Biden fait, c'est un avantage pour lui selon spécialiste parce que ça t'est arrivé Ronald Reagan tout en 1984 qui lui-même t'est gain pour te prendre la parole même côté où Joe Biden t'est prend la parole là et ben lui-même il t'est gain pour te prendre la parole tout pour lui rappeler de tout et d'idée là une façon plus capable joindre et attirer électorat pour élection présidentielle. Donc, et l'autre point que nous sommes capables de signaler pour vous, c'est la situation dans la région Moyen-Orient, toujours en guerre, et Israël continue à pilonner et Rafah. Pendant ce temps, il y a deux attaques qu'il fait hier, il fait contre l'école que les Nations Unies, qui pour les Nations Unies, il fait tout de l'autre côté, je dis encore, il a attaqué l'autre station pompage de l'eau, et la donne gagné un magistrat qui mourit avec quatre membres de famille et pour dire que la situation toujours est tête chargée dans la région Moyen-Orient. Donc ces situations ça dans la région Moyen-Orient. Et puis l'autre point que nous capable signaler rapidement parce que moi le Jean-Aubert Philippe et la parole tout à l'heure parce que à quatre tapants et Jean-Aubert Philippe va gagner pour prendre la parole. Donc rapidement l'autre point que nous capable signaler pour vous, c'est situation actualité dans pays d'Haïti, c'est et vol qui a recommencé, gain 5 lignes aériennes qui reprennent service dans moins passé 2 semaines, c'est un signe de reprise qu'a gain activité dans plus gros port d'entrée pays qui c'est aéroport international Toussaint l'ouverture. Donc gain vol domestique qui a reprendre et gain moun yo dit gain pile moun qui a quitté Haïti dans moment ça. Et c'est un pile monde qui bénéficie de humanitarian parole ça vulgairement nous relé et programme Biden là grand pile monde ça yo cap quitter et grand pile monde tout qui était bloqué aux États-Unis qui yo même y a entré et avec quelques contents n'a pas un reportage sur ça avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince et puis pendant ce temps le conseil présidentiel transition avec Premier ministre Gaye Conti y a travail pour mettre sous pied un gouvernement mais grand pile tractation qu'a fait grand pile tête chargée qu'a fait et dans moment tout c'est dans moment ça tout gagne un mouvement en faveur Gaye Conti qui fait un titing devant et primature là jodi a mouvement relé mouvement politique et populaire combite premier ministre Gaye Conti ba moi prend nom pour nous mouvement politique et populaire combite premier ministre Gaye Conti en action donc et yo t'ai campé pour dire pour yo bail et Gaye Conti feu vert pour capable gain droit de signature et autres ça son sitting qu'a fait et ça y a dit li engagé au même seulement donc c'est en gros ça nous parler après-midi avec Jean Robert Philippe nous même te gain seulement pour deviner faire un petit parler avec nous tout coûte et comme d'habitude et pour me dire nous donc ça qu'a passé qu'on y a dans actualité à nous connaît et gagner tout faut signaler tout que gagne Jill Biden madame président Joe Biden première dame non lui même qui courir à entrer pour l'aller et procès petit lit en parlant de Hunter Biden petit garçon président Donald Trump qui lui même nomme et problème avec la justice donc question de armes question de fumée de drogue crack et autres donc qu'on y a un jury qui déjà sous pied il y a bien pour attendre et un paquet expert dans question drogue expert dans question et pharmacie dans question médicaments donc pour capable faire le point sur lui donc et Jill Biden en tant que maman et ben l'a démontré sensibilité il saute dans en France là courir là à l'en jugement qu'a fait Delaware et président Joe Biden avant d'aller tout lui-même il témoigne toute affection pour petite garçon qui lui-même avec des démêlés avec la justice donc nous voyons que il y a deux gros procès qui sont faits là notamment le procès de l'ancien président Donald Trump qui a lui-même qui condamné pour
quatre chefs d'accusation. Rendez-vous c'est 11 juillet pour nous capables de prendre sentence là. Et puis qu'on y a, nous avons un programme Hunter Biden, qui c'est petit garçon, président Joe Biden. Donc, information aux États-Unis ont déjà balancé. Il y a un bon côté démocrate, il y a un bon côté républicain. Nous-mêmes dans VOA Creole, nous avons suivi. Donc, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous. Pas oublier Jean-Robert Philippe pour rejoindre nous dans un petit moment pour le présenter. Nous. Dernière édition, rendez-vous, info pour et ce maintenant. Et puis, je dis nous tous que nous avons un plaisir d'accueillir sur le plateau VOA Creolière Gaëtan Chassi. Gaëtan Chassi, c'est un producteur film qui est le Kidnapping Inc. Qui est pour passer dans une salle de cinéma lundi, qui est là dans Maryland.